Le sérum. Ethan parvient à regagner l'extérieur après un duel à mort contre Jack, donc j'espère qu'il est vraiment mort ce bâtard. Zoé informe Ethan de l'existence d'un sérum qui leur permettrait de sortir vivant de cet enfer. Ethan se dirige maintenant vers la vieille maison au bord du marais en quête du sérum. Oh oui. Beat. Yo, j'espère que vous allez bien les gens, écoutez-moi, ça va super. On se retrouve pour l'épisode numéro 7 de Resident Evil 7. J'espère que vous allez bien, écoutez-moi, ça va super. Ce que je voulais faire avant de débuter l'épisode, c'était de me faire des petites munitions. Alors, hop. Donc c'est parti mes amis. Alors on m'a conseillé, encore une fois, d'économiser toutes mes munitions. Encore merci Thémarie qui me conseille dans toutes mes vidéos pratiquement. Donc merci à toi si tu regardes cette vidéo, un gros merci. Ça fait plaisir de voir des abonnés comme ça. Elle m'a conseillé de bien économiser mes balles, parce que je vais vraiment en avoir besoin, putain de merde. Et de me battre au couteau contre les insectes. Bah écoutez, pourquoi pas, les gros insectes, hein, du coup, hein, parce que les petits insectes qui volent un petit peu partout, je vais prendre le lance-flamme, du coup. Alors rappelez-vous de cet endroit. Rappelez-vous de cet endroit, bon du coup j'ai rien. Mais c'est toujours l'araignée. Oh, l'ombre, super bien faite. F, le tableau... Oh, belle. Le tableau intitulé Le Prédateur Venimeux. Où il représente un papillon prisonnier d'une toile d'araignée. Ah oui, le papillon, d'accord. D'accord. Bon, bah, faut que je trouve encore l'araignée. Encore une fois, je pense que c'est ça, un peu le but maintenant. Je m'en rappelais plus par contre, où est-ce qu'on est. Ah oui, on avait atterri de l'autre côté de la salle. Je suis un vrai ninja, moi. Allez, viens. Allez, 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 dégagez. Allez, on recule. Allez, j'ai une arme, je suis armé. Allez, hop là. Et demain, ninja. Alors, est-ce qu'ils sont à l'infini? Est-ce qu'ils repopent? Est-ce qu'il y a un... voilà, je sais pas. Il y a rien, d'accord. Voilà, nickel. Alors ça, c'est du PGM. Merci, Thémarie, de tes petits conseils. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas. Ah oui, je voulais aller là, du coup. J'arrive même plus à parler. Allez, allez, go. Je vais y aller mollo, hein. Je vais aller très, très mollo avec le lance-flamme. Oh, putain, les araignées. Oh, comment que je vais les dégommer? Et hop là, ça dégage. C'est bon? Yeah! Ça c'est cool! Je suis de la munition améliorée pour qu'on le vende plus à pompe, de puissance accrue, changer de munitions. Mais moi je voudrais des munitions de fusil à pompe, on peut pas en créer de ça. Hein. On peut pas en créer malheureusement. Eh ben non, c'était sûr ça. Ah, j'ai un crochet. Ça tombe bien, hein. Et ouais mon gars. Un remède de soin, mon soin il est comment? Mon soin il est bien. Swing, swing. Allez. En avant. C'est bon. D'accord, faut que je brûle ça. Ok. Oh putain, les munitions du lance-roquette. Si j'avais un lance-roquette, putain, je serais content, hein. Les munitions du lance-roquette. Du lance-flamme s'usent super vite. Non, je voulais pas prendre ça. Je voulais m'accroupir en fait et j'appuie sur contrôle. Ah, c'est la fameuse cave, il me semble. Oui, c'est la cave, bah c'est cool. Par contre, j'espère que c'est juste. J'espère que c'est juste cette petite salle. Hein. Sinon, ça va pas le faire, moi je te le dis. Moi je te le dis. Oh! Oh! Yes, l'araignée. Maintenant ça suffit, Mia. Je veux des réponses. Je sais. Je sais, tu as raison, et j'ai toujours voulu t'en parler, mais je ne me souviens que d'une partie. Le reste s'est envolé. Papa, c'est ça? Ça dérange? J'emprunte maman juste une minute. Arrête pas, planté là! Fais quelque chose! Ethan, au secours! Merde! Mon gars, tu peux pas le défoncer le truc? Le mec, il a un lance-flamme, un fusil à pompe, un pistolet, un couteau. Il peut même pas enlever cette grille, quoi. Ethan, putain! C'est tout? Y'a rien à faire ici? Alors je fais extrêmement attention parce que j'oublie plein de trucs, hein. J'oublie énormément de choses, je suis désolé, hein. Oh, une pièce antique! Bah cool.
J'oublie énormément de choses quand je regarde mes vidéos. Ah, toi, je t'ai entendu, mon gars. Bim. Parce qu'en fait, quand je tourne mes vidéos, par la suite, je regarde les vidéos des autres youtubeurs, voir comment eux, ils s'en sont sortis. Je trouve que je gère énormément, mais que j'oublie pas mal de choses. Et ça, c'est un peu dérangeant. Ça, je peux même pas casser, quoi. Allez. Putain, 68... Alors, est-ce que ça, je peux tirer dessus? Ok. Voilà, c'est bon. Non, c'est pas bon. Là, c'est bon. Ne me faites pas chier, hein. J'ai pas de recharge. Ça, c'est quoi, alors? Matière solide enflammable qui brûle instantanément une fois allumée. Inutilisable tel quel. Je peux le combiner à quelque chose. Oh! Oh, mais c'est bon, j'ai fait une recharge. Bah, nickel. Nickel. Avec le fluide chimique et ça, je peux faire des recharges pour mon lance-flamme. Bah, écoutez, c'est génial. Oh, bah, c'est cool, j'en retrouve en plus. Ça, c'est chouette. Bonjour. Oh! Ici! Oui, d'accord, je m'en vais. Oh, oh, non. Je vais sauvegarder. Par où passer, je sais plus. Oh. Regarde bien, mon garçon. Non. Je veux te montrer quelque chose. Oui, t'habites? Putain, j'ai trop peur. Ok, on va sauvegarder. Ah, la connasse, quoi. Pardon. En fusée à pompe, j'ai quoi? J'ai que 4 balles. Putain, c'est chaud quand même. Je peux même pas garder mon pistolet en main parce qu'il y a les bestioles. Et ça, c'est... Ok. Ah, je peux faire ça. Alors, du coup, je fais quoi? Allez. Ça. Hop, en speed. Comme ça. Oh là là, le P... Ah non, même pas! Pas me prendre pour un con. C'est dans l'autre sens. Voilà, là c'est bon. Oui, attendez. Je vais pas me faire avoir comme le corbeau, hein. Comme l'aigle. Ou comme le pigeon, là. Hein. On va se calmer. Allez, on y va. Je sais pas du tout si je dois aller là tout de suite, hein. Mais écoutez, tant qu'à faire, autant y aller. Ah, il y a des vers, des serpents, je sais pas ce que c'est, des mille pattes. Merde. Est-ce que je peux y aller? Je sais pas, hein. Je préfère reculer parce que je vais aller quand même voir dans l'autre salle. Au pire, j'ai sauvegardé. Mais bon, ce qui me ferait chier, c'est de mourir, quoi. Parce que je me suis lancé un défi, c'est de ne pas crever. C'est vrai que quand tu regardes comme ça, ça se voit que c'est une araignée. Allez, on y va. C'est qui, foutre le camp? C'est à moi! Regarde ça, sale merde. Allez, je te défonce, moi. Et bah alors. Ouah. Ah d'accord. Mais wesh, mais faut que je fasse quoi? Je peux pas la tuer, elle, hein. Je peux pas la tuer, clairement. Allez, on se casse. C'est chaud, les gars, c'est chaud. Putain de merde. Bon, allez, j'y vais. Oui, c'est dégueulasse. Oh, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et c'est dégueulasse. Bah voilà, c'est bon, tranquille. Pas besoin de paniquer. Par contre, j'ai plus de munitions, j'ai plus de lance-flammes, j'ai plus rien. Hein. Oh, yoy. Ah, si, je peux m'en faire, hein, je pense. Je peux me faire une recharge. Ah non, je ne peux pas. Ah, il me faut du fluide chimique. Qu'est-ce que c'est que ça? Une herbe. Est-ce que je peux? Je l'utilise pas. D'accord. J'ai assez de trucs. Qu'est-ce que je peux? Ah, combustible solide. Bah, c'est cool. Ah, bah non, c'est ça. Oui, bah, c'est cool aussi quand même. Mais j'aimerais bien avoir du fluide. Du fluide. Donc là, on se retrouve. Oh non! Encore un. Une putain de clé corbeau qu'il faut. Ah, mais je peux retourner en dessous, là où il y avait Mia qui s'est fait capturer. Ouais. Encore ça, activé. Ah, on va peut-être trouver le levier en dessous. Bon, allez, on y va. Je sens que je vais le regretter de ouf. Putain, ça pue du cul. Oh, alors, il y a des moments où je parle pas trop parce que les gens, c'est pas que j'ai pas envie de parler ou quoi que ce soit, qu'il y a des blancs, mais c'est parce que ça fait super stresser. Que le moment même, ça pue du cul. Ça, tu peux casser. En fait, les caisses où il y a... ah mais ça je m'en fous.
Ah, ça je m'en fous pas. S'il me donne ça maintenant, c'est que forcément ça va plus du cul. Oh là là. Voilà, merci. Je vais le recharger directement. Recharge mon gars. Ah, toi t'es là mon petit gars. Olé. Ah, la manivelle, ça c'est cool. Alors du coup, on va pouvoir aller on va pouvoir aller là et on peut traverser cette salle là. Ce qui est cool. Est-ce qu'il y a toujours la photo là qu'on avait regardée et puis comme par hasard Mial s'est fait capturer? Non, il n'y a plus rien. Est-ce que ça peut pas se déplacer, d'accord. Putain, il va se passer un truc. Il va se passer un truc, je le sens absolument pas. Ah bah oui, viens. Olé. Olé. Mais wesh, mon gars. Voilà. Alors là, je vais mettre la manivelle, hein, s'il se passe un truc derrière. Pourquoi le côté de la manivelle, il pouvait pas être de ce côté, histoire qu'on puisse regarder un petit coup d'œil? Bah non, comme par hasard, il est de ce côté-là, hein. Salaud. Du coup, je m'en fous un peu d'aller de ce côté. Parce que, moi, il me faut que j'aille... parce qu'en fait... Oh, quoi que, vas-y. Si, vas-y. On sait jamais. J'espère que je pourrai l'enlever. Ça me ferait bien chier, sinon. Ah, c'est cool. Je peux l'enlever. Très bien. Te casse pas. Merci. On avait été là? Je sais plus. Oh putain, il y a tellement de trucs. Il y a tellement de trucs, c'est dingue. Ah, d'accord. En fait, la meuf, elle nous a enfermés à l'entrée. Enfin, elle était à l'entrée du coup quand on a refermé la porte. Ok. Oh, merci. Alors, ça directement. Hop là, voilà. Là, on commence à être bien. Oh! Non. Putain, mais c'est pas possible quoi. Oh! Ah! Allez! Allez. Ça, je le brûle. Voilà, nickel. Voilà, comme ça ici c'est fait. Allez, un combustible et un autre combustible. C'est bien, on en récupère pas mal. Une herbe. Alors. Ok. Non, je suis pas là. Oh putain, c'est chaud. Allez, on y va. On y va. Referme. Voilà, nickel. Couteau, allez, go. Allez. Allez, vous êtes où? Hop là. Bon allez. Ninja. Comme il m'a pris Jean-Claude Van Damme. Allez, manivelle. Et je tourne dans le vide. Ah, j'en suis sûr qu'il y aura la clé. Une clé serpent ou une clé corbeau, ça serait cool, hein. Franchement, ça serait top. Je vais garder ça. Quoi? Elle est fraîche, elle. Elle est fraîche. Ah, c'est des toilettes, c'était sûr. Combustible. Ça va, ça se combine comme ça, c'est chouette. Enfin, ça se stocke. La clé corbeau. Putain, alors ça, c'est cool. Ah, une pièce. Nickel. Il m'en fallait trois, hein. Qu'est-ce que je pourrais jeter? Bah, du coup, ça, je peux jeter. Non, je peux pas jeter. Ça, je vais jeter. Ça, je m'en tape. Ah, alors ça, c'est cool. La clé corbeau. Alors, comme on a la clé corbeau, on peut retourner dans le manoir. Il y avait une clé corbeau aussi ici, mais je sais plus trop où est-ce que je pouvais l'utiliser. Où est-ce que je pouvais utiliser la clé corbeau? Putain, je m'en rappelle plus. Ouais. Ah oui, c'est bon. Oui, ta gueule, allez. Donc, oh merde, non. Alors, je sais qu'il faut que je récupère la lanterne de la vieille, d'accord, mais je sais pas comment faire. Je sais pas du tout comment faire. Est-ce que je peux la buter? Est-ce que je peux faire en sorte qu'elle la lâche? Ça, je ne sais pas du tout. Donc là, c'est bien, on est bien parti. Quoique, non, c'est bon, il y a des sauvegardes assez souvent dans ce jeu. Mais wesh, elle apparaît de nulle part! Genre, elle a spawn comme ça! Oh merde. Oh putain, ça craint. Marguerite? Très bien, petit enfoiré. Tu l'auras voulu. Dieu seul sait ce que toi et Zoé m'a dit d'entrer. Tu peux
penses pouvoir débarquer et faire ce que tu veux avec ma famille? Wesh, mais non! Voilà ce qui arrive quand on s'invite dans des lieux où on n'est pas censé être! Mais faut que je fasse quoi? Mais prends le lance-flamme, couillon! Tu vas mourir dans ce trou! Ah, faut que je grimpe! Tu vas rester dans ce trou, oui! Salope! Lève-toi! Allez! Dégomme tout! Allez, ukulélé! Non, restons, mon gars, restons! Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je retombe dedans histoire de voir la lanterne? Putain, je vais sauvegarder. La vache! La meuf, elle a apparu nulle part. Genre, je suis monté devant la porte corbeau. Elle a apparu comme ça, elle a spawn d'un coup. Elle m'a trop surpris, quoi. Ça va, je m'attendais à pire. Et franchement, je pensais que j'allais mourir, hein, parce que je savais pas du tout quoi faire. Entre lui tirer dans la lanterne, tirer dans la tête, brûler les insectes et tout, c'était chaud. Hein. Oh! Putain, je retourne en arrière exprès par ici pour pas me taper les monstres et voilà. Du coup, est-ce que je tente de redescendre histoire de voir si je peux prendre la lanterne? Ah merde, j'aurais pas dû. Ok. Je peux rien faire alors. Putain, est-ce qu'elle est... Non, je pense pas qu'elle est morte, elle serait morte trop facilement. Genre, j'étais là et elle a apparu devant moi. C'est un truc de dingue. La porte corbeau, ça c'est cool. C'est du clé de malade que c'est quoi. Ah, y'a une lettre. Attendez. Tu as encore essayé de t'introduire à l'étage, n'est-ce pas? Tu pensais que je ne le verrais pas. Même après ce qui est arrivé à Evelyn, tu continues à parler de ce foutu remède. Est-ce que tu... comptes faire, pardon, avec mon hôtel. Tu ferais mieux de ne pas mettre tes sales pattes dessus. Personne ne touche à mon hôtel sacré. Je nous prends pour des imbéciles, ton père et moi. Tu n'es qu'une sale petite ingrate. Je regrette de t'avoir mis au monde. Toi qui es moins que rien, comment oses-tu nous mépriser et essayer de quitter notre maison après tout ce qu'on a fait pour toi? Ingrate, si jamais... Ouais, c'est la meuf qui dit ça. Alors pourquoi il y a des mots en majuscules? C'est peut-être qu'il n'y a rien à voir, mais peut-être qu'il y a une énigme avec ça, je sais pas. Écoutez. Oh là 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 là. Non, bien sûr, elle parlait de Zoé, je pense, hein. Oh, une batte de baseball, quoi. C'est quoi? Un bébé. Ouais. À propos du sérum, série, les ingrédients suivants possibles créer sérum. Nerf crénarien de série D. Nerf périphérique de série D. Ça doit être ça. Je m'en bats les couilles que c'est ça, mon gars. Je peux rien prendre. J'aime pas trop les poupées, hein. Zoé, s'il te plaît, faites que ça soit toi. Alors, t'as trouvé le sérum? Je viens d'en finir avec ta mère et ses satanés insectes. T'aurais pu me prévenir. Je suis désolé. Et pour le sérum? Je l'ai pas trouvé. Mais je sais ce qu'il nous faut pour en faire un. Une tête de série D et un bras. Ça peut pas être ça. Une tête? Je crois que j'ai ça quelque part ici. Vraiment? Mais aucune idée pour le bras. Il y a eu dans les chiottes. Toute la maison? Non, pas encore. Il me reste à fouiller l'étage. Ok. Trouve-le et rejoins-moi à la caravane. Oh, rejoins-moi à la caravane. Et vous imaginez qu'en fait, la jeune, c'est la vieille. La jeune, c'est la vieille. Logan 2017. Enfin, que Zoé, ça soit la vieille, en fait. Et qu'elle ait une voix de jeune. Ou qu'alors, en fait, Zoé, c'est tout simplement Mia. Ou qu'en fait, Zoé, c'est une connasse qui veut nous prendre pour un con. J'aime pas cette salle. Ça, c'est une salle où à tous les coups, il va se passer un truc. Ok. Attends, je suis content pour vous. Le 11 octobre. Mes oreilles n'arrêtent pas de siffler, je n'ai pas pu fermer l'œil depuis que cet enfant est là. Comme dit Zoé, il y a quelque chose de bizarre chez cette petite et la femme qui l'accompagne. Je vois des choses, j'entends des choses, j'ai des nausées en permanent. Je suis allé voir le médecin en ville qui m'a fait un scanner. Qu'est-ce qu'il m'arrive? La petite m'a donné un cadeau. J'ai mis le cadeau à l'étage, dans la salle secrète, tout au fond de là où personne ne la trouvera. Ce bras est un signe de sa confiance. Ce bras nous mènera au bonheur. Je tuerai de mes mains quiconque se mettra à travers de ce bonheur. Ok, il faut aller à l'étage récupérer le bras qui est au fond de la salle de je sais pas quoi.
Attendez, quelle salle? Il y a marqué la salle? Ok, bon, à l'étage, à la salle secrète, d'accord. Ok, je vais prendre le bras du coup. Il va... Ah ok, c'est des petits insectes. Putain, les ombres, elles sont trop bien faites quoi. Toi. Ok. Oh. Bah oui, mais c'est ça qu'il faut que je récupère, mais je l'ai pas. Je l'ai pas vu la lâcher ou... Merde. Une pièce antique, putain, je peux prendre le magnum. Alors ça, ça c'est cool. Mais attendez, mais faut que je récupère ça. Ah putain. J'y étais pourtant quoi. Point mieux. Oh bah ça c'est con, ça c'est gentil. Ça c'est très gentil. Là y a rien à faire, on est d'accord. Putain mais merde quoi. Oh putain la blague. Mais c'est une grosse blague monstrueuse. Oh putain, j'en ai marre de ce jeu de merde. Je vais sauvegarder. Putain, c'est dingue. Ah mais y'a un truc là. Voilà. Bon, niveau insectes, là je pense qu'on est bon, hein. Il n'y en aura plus. Hein. J'ai détruit carrément tous les trucs. Donc là je pense qu'on est tranquille. Putain, là on est très bien. Je vais voir si je peux me faire un peu de place. Ah putain, le fusil à pompe, ça me casse les couilles de pas avoir de balles, hein. Vraiment. Ça, je le range, j'en ai pas besoin. La clé corbeau, j'en aurais besoin. La manivelle, je pense pas que j'en aurais besoin. Donc là, pour le moment, c'est bon. On va garder tout ça. Let's go, motherfucker. Une boîte offerte par Zoé. Elle contient des objets qui peuvent vous être utiles. Et voilà. Peut-être que là, j'ai assez d'emplacement, du coup. Oh, oh putain, ouais. Très gentil, la Zoé. Allez, on y va, j'ai fait un petit peu de place dans mon inventaire, j'ai mis des trucs dans le coffre, j'ai rangé un petit peu et tout, au calme, t'as vu? Et là, c'est parti. Donc, les insectes, je pense pas qu'il y en aura, hein. Écoutez, s'il y a des insectes, ça serait juste de l'abus. Ah, peut-être ici. Non, même pas. Ok, bon, il n'y a plus d'insectes. Ça, c'est cool. Arnie, on avait une cassette à trouver aussi. Merde. Quoi? Ah oui, c'est le message qu'il y a ici. D'accord, 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 d'accord. Oh, putain, maintenant, faut descendre en bas, quoi. Parce que oui, on peut pas descendre en haut, évidemment, franchement, qui c'est qui dit ça d'habitude? Oh, ça pue du cul, boss, j'ai même pas de balle de fusil à pompe pour le boss. Ah, là, ça me fait bien chier, quand même. Ça me fait bien chier. Niveau carburant, j'en ai plus. Oh, putain. Oh là 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 là, je sais pas comment je vais faire. Oula, je sais pas comment je vais faire. Spécial. C'est spécial, tu te fous de ma gueule, connard? Oh putain, ça ressemble à une araignée. Eh, je suis pas bien. Non, je suis vraiment pas bien. Ah, oh, Logan, sérieux, c'est qu'une araignée. Écoutez, on a tous des phobies, d'accord. J'ai peur des clowns aussi, enfin, un peu moins maintenant. Je connais des gens qui ont peur des clowns, je connais des gens qui ont peur des serpents, tout ça. Moi, ça me fait rien, mais les araignées, je peux pas. Que ce soit dans un jeu, même dans un dessin animé et tout, je peux pas. Et le fait qu'elle ressemble fortement à une araignée, ça me fait flipper. Je sais pas si ça sera ça, mais si une araignée, franchement. Oh là là, je sais pas comment je vais faire pour jouer. Je vous le dis direct. Là, je vous parle sérieusement, les gars. Hein. Et les filles, encore une fois. Mmh, ça pue. Quoi? Ok. Ah, on est de l'autre côté, là. Derrière la caravane. Ah, Flitchy McFort. Merci. Est-ce que je peux faire un truc au moins avec ça? De la vie, je m'en tape de la vie, connard. Ah, alors ça, c'est cool. Allez! Je peux aller à la caravane. Et ça c'est chouette parce qu'en plus je peux mettre mes pièces. Allez. Ah non, il me manque une. Ah bah du coup on va en profiter, on va aller dans la salle où il y avait un corbeau. On va retourner dans le manoir. Et j'espère que c'est pas comme dans Resident Evil 1. Parce que dans Resident Evil 1, ou même le 4, enfin dans tous les Resident Evil, quand tu rebroussais chemin, eh bien il y avait des monstres qui avaient repop. Et un peu plus puissant et plus rapide et tout ça. Si ah, y a ça là-dedans, je joue plus hein. En tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir de faire des plus longues vidéos. Il me reste 20 minutes de batterie dans ma caméra. Faut quand même que je fasse attention à ça parce que ça me ferait un peu chier quand même. Allez, la clé corbeau là-dedans. Et après, je crois que j'en aurai plus besoin. J'ai l'impression qu'il n'y a que deux portes à chaque fois à ouvrir. Hop là. Allez. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ok. Bizarrement, je me sens super bien. Oh.
Oh. Oh. Vous n'avez pas de place dans l'inventaire. Alors là, je dégage des trucs, je m'en bats les couilles. J'ai des balles de fusée à pompe, ça fait plaisir, putain. J'en ai que 3, mais bon. Oh, de la poudre à canon. Voilà, nickel. J'ai 3 emplacements, là je peux. Nickel. Oh putain. Alors attendez. Ah. Ok. Alors ça, comme ça. Normalement c'est bon. Ok. Alors le 1 c'est le fusil à pompe, le 2 c'est le pistolet, le 3, ok. Oh la 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 la. Putain. Je suis un fou quand même, je suis un fou. Je crois que j'ai super bien fait d'aller là. Est-ce que les autres youtubeurs ils ont fait ça? Écoutez, je sais pas. Je sais pas du tout. Écoutez, je vais mettre le chasseur dans ma caméra parce que j'ai trop peur que ma caméra s'éteigne. S'éteigne. Prise, là, je savais même pas. Bon, c'est bon, j'ai branché ma caméra. Normalement, tout devrait bien se passer. Batterie limitée, du coup, je peux filmer une heure. Mais je vais pas filmer une heure, vous êtes tarés. Ça fait déjà 38 minutes que je filme actuellement. Quand vous verrez la vidéo, on sera peut-être à 20 minutes, 25 minutes. Parce que je fais énormément de condensé, vous savez tous, maintenant. Oh, on va se calmer, là. Oh. Ah, putain, mais je suis trop con. J'arrête pas d'oublier les trucs que je voulais, quoi. J'espère que j'aurai de la place dans mon inventaire pour mettre la pièce qui manquait. S'il n'y a pas de place, c'est n'importe quoi, parce que le mec il se met quand même un fusil à pompe, un lance-flamme, un pistolet et un lance-grenade dans la poche. Je crois qu'il y a une pièce ici. Ouais. Alors, le boss, ça me dérange pas de le faire, d'accord. Mais s'il y a des bestioles qui viennent me casser les couilles en même temps, ça me va vraiment me faire chier. Parce qu'on a bien vu quand même que quand on lui tirait dessus, il y avait des insectes qui apparaissaient, quoi. Et là, sachant que la meuf, elle se transforme en monstre, je sais pas. En tout cas, le mec à lunettes est vraiment mort, je pense. Là, je pense que la meuf, là, on va la buter, elle va plus réapparaître, donc ce qui est plutôt cool. Et que ensuite, il ne restera plus que le fils. Et le fils, bizarrement, j'ai pas peur. Alors. Oh, yeah. Il n'y avait pas de place dans l'inventaire. Ah, il faut 2 emplacements, peut-être. Qu'est-ce que je peux dégager? Bah, la clé corbeau, je vais la dégager, tiens. Olé. Oh, putain. Ah ouais, baby. Oh, oui. Alors je pense que je peux one shot hein. Faut vraiment que je fasse gaffe. Faut vraiment que je fasse gaffe. Allez, on y va. Oh, calmez-vous les corbeaux. On va prendre le lance-flamme. Et je pense que tout va se passer dans cette maison. Mais il y a combien de maisons, bordel de merde? Ils ont ça, allez. C'est une bande de malades, moi je vous le dis. Allez, est-ce que là c'est ouvert? Oui, c'est fermé, nickel. Voilà, plus qu'un chemin. Oh, c'est quoi ça? Ah bah oui, c'est là où on monte. Et ça me fait rappeler un peu la démo d'Outlast. Allez, c'est parti. Oh putain. Je le sens terriblement pas. Gollum. C'est Gollum. Agent de séparation, c'est quoi ça? Putain, j'ai plus de place pour rien. Je peux rien faire. J'ai trop de trucs. Du coup, voilà. Bon, on y va. Oh putain, il y a encore un truc à crocheter là. Mais il y a trop de trucs à crocheter en fait. Allez, vous êtes prêts? On y va, let's go! On perd pas de temps! Putain, il va se passer un truc. Il va se passer un truc quand je vais aller ici. Ok, je suis prêt. Oh putain. En fait, je suis pas prêt. Je suis pas prêt du tout, putain. La grille bloque l'accès. Ok, j'en ai à foutre, bordel. Ok. Pistolet. Ah putain, mais non, faut que je. Oh, ça me saoulait ça. Le couteau. Ah, mais merci. Je vais remettre ça là, direct. Ah, moi, je suis un gueudin. Je vais garder ça. Oh, putain, ça pue du cul. Ça pue, mais c'est incroyable à quel point ça pue. En plus, il y a des chiottes. Alors là, cool. Bonjour. D'accord, c'est le même chemin. Psychostimulant. Les araignées parce que si j'ai envie de m'échapper, j'ai pas envie que les araignées me sautent dessus en même temps. Voilà, on y va mollo, doucement. J'ai pas envie d'user trop de munitions là parce que ça sent le boss. Cartouche de fusil 8. Oh putain, alors là je dégage un truc, j'en ai rien à foutre. Hop, ah ouais, ça c'est vraiment trop important. Les cartouches de fusil à pompe, mon gars, c'est la vie. Ah ouais, regardez tout ce qu'on a. Po, mamma mia, mamacita. Allez, on y va. On y va, on n'a pas peur, ok? On est des ouf. C'est verrouillé de l'autre côté, bah fait chier, putain. Allez, l'étage. Ah oh oh. Dégage.
Oh, je vais te défoncer ma gueule. J'ai pas eu peur, ok, on va se calmer. Putain, c'est affreux. Oh, tu vois tout, tout. Qui? Oh, oh putain. La pute. La pute. Ya. Ok. Ok. Ok, 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 ok. Meurs, 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 meurs. Pas de répit, ma gueule. Pas de répit. Pas de répit. Fuse à pompe. Vite. Bim. Ok, j'ai utilisé ma balle de je sais pas quoi, là. Ta gueule. Oh non. T'es énervé? T'es nerveux. On est pas contente. Quoi? Salope. Aïe. Aïe 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 aïe. Non, alors là, moi je vais mourir. La bonne blague. J'y me reste une balle. Tu vas où? Viens ici. Au pied. Boum. Oh. C'est de la merde ce truc. Non. Vite, faut que je combine, faut que je combine, faut que je combine. Allez, j'ai que le lance-flamme. C'est des cartouches de quoi que j'ai récupéré, je sais pas. Des cartouches de quoi? C'est des cartouches de quoi? C'est des cartouches de quoi? C'est des cartouches de quoi? De pistolet. Putain, ok, pistolet, je m'en. Ok, ok, c'est un jet d'insecte. Ok, calme-toi, Logan. Calme-toi, 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 calme-toi. Tu vas crever, oui. Allez, hop. Allez, on y va. On y va. Ok, allez. Allez, allez, no stress, no stress, y'a point S. Allez, viens, 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 viens. Oh alors, t'aimes pas le feu? T'aimes pas le feu? Oh tiens, dans ta gueule. Je rigolais. Je voulais juste partir, bordel de merde. Je suis mort. Ah non. Oh non. Dégage. Dégage. Tu mérites même pas son don. Je m'en fous de son don. Reste mort cette fois, ok? Bordel de merde. Oh, oh là là. La puissance dès que j'arrive. Non, non, non. Oh là 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 là. Mais ça c'est la classe mon gars. Je suis pas mort du jeu. Je suis pas mort du jeu. Ouais, je sais, faut être un PGM. Putain, j'ai réussi, motherfucker. Merde, est-ce que je descends du coup? J'ai pas confiance. Oui, je peux descendre, allez. Putain. Donc on va farfouiller un peu. Ah, ça fait plaisir de ouf. Hein. Hop, munitions de pistolet. Il donne plein de munitions, mais écoutez, vous me connaissez pas, moi. Je suis Logan en vrai. Ah, alors attendez. Hop, j'utilise une bouteille de soin, comme ça je prends celle-là. Parce que je retournerai plus ici, je vous le dis direct. Hein. Cet endroit-là, c'est terminé. Bien farfouillé. Hein, j'ai pas envie de faire le concon. Alors, combustible, fluide, j'en ai pas besoin, c'est bon. Là y'a rien, là y'a rien, ici y'a rien du tout. Là y'a une petite salle avec une porte, pourquoi pas. Cartouche de fusil, ça je veux. Ça je veux. Comme ça, je vais toujours me garder un inventaire vide. Au cas où si j'ai un fusil à pompe. Balle de pistolet, j'en ai largement assez. Hein. D'accord, on est là. Mais attendez, y'avait pas un truc à récupérer? Une main, à l'étage. Au fond de la salle secrète. Ah 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 ah. Où est-ce qu'elle nous mène l'échelle là? D'accord, on nous amène ici. Bon bah on va sortir, on sort. Allez.
On sort, on se casse. Je sais plus par où est-ce que c'est d'ailleurs. Ah bah merci, c'est cool ça. Mission de pistolet, d'accord. Et là, on va se retrouver dehors. Nickel, on va les sauvegarder et on va s'arrêter là. Waouh, ça c'est un épisode de dingue. Putain, j'ai le moral, j'ai vraiment le moral. Il ne reste plus que le fils. Enfin voilà mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de cet épisode. Il va durer plus d'une trentaine, une quarantaine de minutes, je sais pas exactement, mais ça va être un truc de ouf. Je vais m'amuser pour le montage. Bon voilà. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir. Je vous dis à la prochaine, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et ciao ciao mes amis, à plus. Truc de dingue. Truc de dingue.